Ça peut te créer des problèmes. Attention. Et puis, je peux lui dire ça. Mais toi, je ne te connais pas. Tu es là, tu es le papa des gens, tu es le Congolais. Et puis, de dire que oui, de venir dire qu'il te connaît. Il ne te connaît pas, oh maman. Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Ça te fait mal, mais il ne te connaît pas. Attendez, on va continuer. Elle parle de moi. Moi, je viens de manière officielle pour venir te dire que ces lives sont là-bas. J'ose espérer que tu as suivi tout le déroulé du problème pour te dire que Laurentia, y a Lolo. Moi, je suis une guerrière dans l'art. Est-ce que tu peux aller lui transmettre Voilà. que l'œil du lynx t'a dit que je vais te mettre à disposition? Je vais te donner ma disponibilité. Je vais te donner ma disponibilité. Je te sais très professionnel et perspicace dans l'organisation. Elle te donne sa Il y a une disponibilité. qui On dit, se retrouve dans un petit coin regardez, tranquille Mamie ensemble. On se... Bozio, elle est assise là, hein, souvent elle verrait, mais là, elle a écrit là-bas que moi je suis en train de lutter pour mon contrat qui va prendre fin. Mais donc si le contrat va prendre fin là, c'est. C'est mon problème. Ça y est, vous aimez. Ça y est, quand il parle de la dame, maintenant quand je parle d'elle, ils vont venir mélanger. Regardez, que mon contrat va prendre fin, c'est en train de lutter. Moi je lutte tout en fait. Hein. Je lutte tout en ce moment. Seigneur Jésus. On va voir. Pour Allons-y. les coups. On écoute. Moi, je suis derrière dans l'âme. On ne s'amuse pas avec moi. C'est une femme. Je suis une femme. On se trouve dans un coin tranquille de la France. Elle vient avec cinq éléments de sa team. Je Aïe. viens avec cinq C'est éléments quoi ces de ma bêtises-là? team pour quadriller le secteur. Puisque c'est toi qu'elle dispute. C'est toi qu'elle discute. C'est toi le centre. Vous comprenez? En même temps, elle veut. Elle te veut à toi toute seule. En même temps, elle te jalouse. Voilà, vous voyez un peu. Est-ce que vous avez entendu les amis d'Yvette? Est-ce que vous entendez? Que moi je jalouse Laurentia. Je dispute Laurentia. Ça y est, en même temps que je veux Laurentia, et puis je la jalouse. Vous voyez un peu. Et quand la lionne va apprendre ça, elle va rugir fort. C'est Laurentia que vous avez sali. Vous voyez un peu. Et toi, Laurentia, tu écoutes tout ça. Et puis tu viens faire poste. Elle te convoque d'aller faire poste. Et puis tu viens faire poste. J'arrive. Ça, c'est quoi? Franchement, je suis pas content. Je suis pas content de ça. Bon. Je suis pas content de ça. Ça arrive. Les amis de Vette, venez voir la conspiration. Sortez, venez voir. Regardez. Venez voir un peu. Venez voir un peu. Je viens de recevoir un courrier. 65 rue de Strasbourg. 93 Saint-Denis. Je viens de recevoir un courrier. Vous voyez? C'est à mon adresse. Voilà ce qu'ils envoient. Regardez, regardez un peu. Regardez. Voilà ce qu'ils envoient. Voilà ce qu'ils ont envoyé. On peut soulever sa femme comme ça avec le sourire. Regardez un peu la conspiration. Regardez les photos qu'ils ont envoyées. Regardez. Je vais aller voir l'avocat ce matin. Regardez. Est-ce que vous voyez? Regardez les photos qu'ils ont envoyées. Regardez. Ce qu'ils envoient à mon domicile. Regardez. Ce qu'ils envoient à mon domicile. Regardez les photos qu'ils envoient à mon domicile. Regardez ce qu'ils envoient à mon domicile. Et regardez la note qu'ils ont mise. Bonjour, Monsieur Troquet, je me nomme Madame GP. Je suis une mère célibataire qui élève seule ses enfants, dont un gravement malade. Situation très difficile pour moi. Pour moi, je subis. Gay Philomène. Je peux me dire Gay Philomène. Voilà. Donc, c'est Guédé au moins Philomène. On va y aller tout doucement. Ne vous inquiétez pas. L'avocat va se charger de ça. Au calme. Voilà. Voilà, c'est un. Je suis
Une mère célibataire qui élève seule ses enfants dans un gravement malade, situation très difficile pour moi. Je subis, il y a de cela quelques jours, un acharnement envers ma personne. Personne, et je compte me défendre face à ces menaces. Regardez, hein. Regardez. Thierry, vous voyez, quand Dieu est avec toi, quand Dieu est avec toi, quand Dieu est avec toi, je vais m'habiller tout à l'heure, puis je vais faire un grand live. Et ensuite, je vais aller voir l'avocat, je vais appeler un avocat. Il pense, quand je vous dis que je suis dans mon domicile conjugal, parce que je m'amuse. Voilà, donc allons-y. On va lire ensemble et puis après je vais vous le dire. Très difficile pour moi, je subis il y a de cela quelques jours un acharnement envers ma personne et je compte me défendre face à ces menaces. C'est avec stupéfaction que je constate vos indifférences face à votre épouse vis-à-vis de toi, de toute cette tromperie sur votre nez. En effet, cette femme de basse moralité vous utilise pour une fin précise pour avoir les papiers français. Elle couche avec un black qui vit à Lyon et ça depuis son arrivée en France. Elle a fait un voyage à Dubaï avec son copain il y a deux ans de cela, en vous laissant croire qu'elle partait toute seule, mais ce n'était pas le cas, car j'ai toutes les preuves vidéo et photos s'affichant. À ce dernier en question, elle vous utilise juste pour avoir la cité française et partir s'installer en Suisse. Laure Douce, tu vas la fermer à jamais sur ma page. Tu vas la fermer à jamais sur ma page. Tu as compris, Laure Douce? Tu la boucles à jamais sur ma page. Tu la boucles à jamais sur ma page. Ok? Tu la boucles à jamais sur ma page. D'accord? Voilà. Avec lui, j'ai toutes les preuves. Elle a passé la Saint-Valentin avec lui le 14 février dernier en vous laissant à votre domicile comme d'habitude. J'ai vraiment de la peine pour vous. Elle était récemment au Maroc pour la Saint-Sylvestre avec son amant et vous a menti avec complicité de sa famille. Vous trouverez toutes les photos d'elle et son amant dans cette boîte aux lettres. Vous pouvez aussi envoyer cela à la préfecture de Bordeaux pour dénoncer cet abus de confiance vis-à-vis de votre personne. C'est une femme très dangereuse pour vous et votre famille. Vous pouvez également faire voir ces photos à votre mère. Quel trait de femme légère et malade. Moi, je t'aime. Quel trait de femme légère, malade, mentale. J'espère que cette lettre vous aidera à ouvrir les yeux de cette fille. Tout est là. C'est moi qui vais aller à la préfecture, ça. Regardez un peu. Donc, la lettre est quittée depuis Strasbourg. Dans le 93 à Strasbourg. De toutes les manières, on va retrouver ça. J'irai à la poste tout à l'heure. Voilà. Pour suivre. Même si la personne n'a pas mis la bonne adresse, mais j'irai à la poste pour qu'on puisse sortir tout ça en fait en réalité. Ce que je peux dire, vous savez, je suis venue en France. C'est Dieu qui l'a fait. Voilà. On était en live, hein, vous voyez. C'est Dieu qui l'a fait. Vous avez compris? Vous avez compris? Je suis venue en France, là, c'est Dieu qui l'a voulu. Allez-y, fais marche. Allez vous asseoir à la préfecture. Mais tout va échouer. Comme aujourd'hui, j'ai vos documents entre vos mains. Toutes les photos que vous avez imprimées entre vos mains. Toutes mes vidéos entre vos mains. Regardez. Regardez. Tout ça. Que je traite la maman du monsieur de quoi. Pour que ça aille. C'est ma nature qui vous fait mal. Mais voilà ça dans ma main. Voilà ça dans ma main. C'est à moi maintenant de vous trouver et de vous porter plainte. C'est à moi maintenant. Voilà la machination, les amis de Vette. Voici la machination. Je vais reposter toutes ces photos-là tout à l'heure sur Internet. Voilà ça.
Voilà, c'est dans ma main. On était en live, hein. On était en live, voilà. 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 Toi qui as fait ça là, tu seras mise à nu. Tu seras taille, tu seras mise à nu. Tu seras mise à nu. Voilà. Non, je vais aller à la poste là. La personne qui a envoyé son nom sera sur. On va le retrouver parce que ça vient d'arriver tout à l'heure. Je vais aller à retrouver ça. La personne a fait les services plus le numéro est là. Je vais aller à la poste tout à l'heure. Ils vont essayer de voir ça en fait. Parce que tu peux ne pas mettre. Parce que la personne n'a pas mis son nom. Hein. La personne n'a pas mis son nom. Elle peut mettre une adresse comme ça. L'adresse ne peut pas être l'adresse comme il se doit. Voilà. Et puis, ils ont mis l'adresse, tout ça. Et puis, ils ont mis tout ça qui est là. Déjà, il était assis, laissé. On va taper là, il faut, ça fait plus mal. Elle cherche la nationalité française, non. On va voir. On va taper là, il faut, ça fait plus mal. Mais je vous ai déjà dit que vous n'en savez rien de ma vie. Vous n'en savez rien de ma vie. D'accord? Vous n'en savez rien de ma vie. Je vais vous mettre à nu, comme je l'ai dit. Ça ne serait pas un clash. Voilà. Je vais vous mettre à nu, comme je l'ai dit. Et la nationalité là, je vais bien avoir ça. Ça vous fait mal, hein? Ça vous fait très mal. Voilà les documents dans ma main. Et je vais juste les garder pour donner à l'avocat. Parce qu'une enquête sera faite sur ça. Voilà. Une enquête sera bien faite sur ça. Avec l'enveloppe qui voit Madame GP. Ça a été fait dans la semaine, hein? Ne vous dites pas qu'il y a longtemps, hein? Voilà, ça a été fait dans la semaine là même en question. Voilà. Toi qui as fait ça, sache que tu es pathétique. Sache que ta vie est pathétique. Sache que tu fais pitié. Mais il y a mon... J'ai déjà touché. Moi, j'ai déjà touché. Et puis le coursier a déjà touché l'enveloppe. Je vous ai dit une fois ici que ma boîte aux lettres là, si vous vous rappelez une fois... Je vous ai dit que non, que ma boîte aux lettres, je n'ai pas changé le truc, que mon domicile où je suis, là, je n'ai pas encore libéré parce que c'est mon domicile conjugal, non. Voilà. Voilà. La police va se charger de tout ça. Voilà. Le live va rester. La police va se charger de tout ça. La police va se charger de tout ça, en fait, en réalité. Voilà. Vous voyez un peu. Voilà ça. Voilà toute cette mascarade. C'est pas la E-Calendaire. Enlevez la E-Calendaire dedans. La E-Calendaire n'a jamais rien fait. Non. La E-Calendaire, ils sont injurieux. Voilà. Et quand la E-Calendaire fait là, ils font. On se connaît, on sait comment la E-Calendaire fait. C'est pas la E-Calendaire. Ne mettez pas sur la E-Calendaire. C'est pas la E-Calendaire. La E-Calendaire n'est pas aussi sorcière comme ça. Non. La E-Calendaire de manière qui était là. La personne a pris le temps de taper, hein. Dans James Bond. Film d'horreur. C'est pas la Calendre. Non. C'est pas la Calendre. Voilà. La personne dit. La personne s'est assise. On va toucher à ses papiers. Oui. Actuellement, demande à la santé, non. On va pas lui donner à la santé. On va toucher à ses papiers. Et la personne. Tu vas voir que la personne est malheureuse. Elle n'a pas de vie, elle n'a rien. Elle n'a rien. Et qu'il faut prendre pour aller à la préfecture. Moi-même, j'ai pris pour aller à la préfecture. Et puis, il dit, vous pouvez partir à la préfecture avec ça pour dénoncer le... C'est lui qui a partir à la préfecture. Vous m'avez laissé là-bas. Maman Langa, ya! Ya! Criant sur vous. Ya! Yeah. Criant sur vous.
Criant sur vous. Adama. Adama. On peut faire ça. Ça y est, jusqu'à ma photo de pub là. Ma photo de pub là, comme vous avez pris encore. Oh là là. Ah, ça, vous voulez que Dieu vous bénisse. Ah, ça là, vous voulez que Dieu vous bénisse. Eh, ma photo à Blacon qui fait pub là. Ah, ça, vous voulez que. Vous voyez, avec ça, imaginez. Quelqu'un a ma chaussure. Imaginez. Quelqu'un, regardez les événements qui m'arrivent après l'histoire de ma chaussure. Regardez tout ce qui m'arrive. Non. Riri Manu Nyambla. Je ne vais pas frapper dans le temps. Je vais réclamer ma chaussure. Regardez seulement. Je vais réclamer ma chaussure. Merci à Manier Christian Place. Je vais réclamer ma chaussure. En tout cas, ton courrier est arrivé à bon port. J'ai reçu ton courrier. Je vais faire ce que tu as demandé. Je vais envoyer les photos à la préfecture. Mais il fallait prendre une photo où j'embrasse garçon. Ouais, ça shoot une photo, hein. Maman. Voilà. Ça shoot une photo, j'ai fait. En tout cas, ça arrive dans ma main. Ton truc est arrivé à bon port. Maintenant, si tu élèves enfant seul, regardez. Si tu es, elle est GP. Si tu élèves enfant seul, que tu es mère célibataire, c'est mon problème. Parce que quelqu'un qui est mère célibataire, que l'enfant, le père de l'enfant t'a laissé, c'est mon problème. Hein? Même Maraboutée, là, elles vont prendre des belles là-bas. Mais les photos sont sur Internet. Ça, c'est les photos que j'ai postées sur Facebook. C'est des photos que j'ai postées sur Internet. Ça, c'est pendant un live, quand je fais le live de la pub. La pub de comment on appelle ça? De Delphine Crisois, c'était pendant un live, voilà ça. La personne allait sur mes lives. La personne, voilà ça, c'est des photos que j'ai postées sur Facebook. Maintenant, elle a imprimé, puis elle a augmenté, mais désolée. Hey, toi, la maman des mères célibataires, là, d'enfants célibataires, tu fais pitié, hein? Ta vie peut être pathétique comme ça. Je suis sûre que cette mère en question, le père de l'enfant l'a laissé à cause de ce comportement. Vous-même, regardez, quel homme va mettre ce genre de mère dans un foyer. Quel homme va s'asseoir? Et je suis sûr que c'est pour ça que ton enfant est gravement malade. Ça, c'est la punition de Dieu. Cette mère en question, Dieu t'a déjà puni. La nature t'a déjà puni. Oui, on comprend pourquoi les mères célibataires et puis son enfant. Ça y est, le pauvre enfant. Ça y est, souvent quand on pose les actes là, c'est nos enfants qui récupèrent nos kamas. Hein. Le pauvre enfant, à cause des actes, à cause des actes, à cause des actes, à cause des actes, à cause des actes de nos parents en question, les enfants prennent les pots cassés. Et c'est ça, le pauvre enfant. Imaginez-vous, cette mère-là, le mal qu'elle fait dans le noir aux gens qui ne lui ont rien fait. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Je suis la fille préférée de Dieu. Je suis la fille préférée de Dieu. Tout ce que je cherche, c'est Dieu qui m'a donné cela. J'ai mon courage. Oui, j'ai mon courage. J'ai mon courage pour me défendre la vie que Dieu m'a donnée. Laurentia, je comprenais ton silence. Tu ne parlais pas. Il faut t'enlever, Laurentia, dans ce qui se passe. Et je le répète pour la dernière fois, tu es une personne que j'apprécie beaucoup. Tu es une personne avec qui j'ai eu de bons rapports. Tu es une personne que j'admire beaucoup. Tu n'es pas ma camarade. Je ne suis pas ta camarade. Il faut t'enlever dans tout ça. Il faut te mettre hors. Et là, c'est moi qui te supplie aujourd'hui. Mets-toi loin de tout ça. Parce que pour ton image, ce comportement ne va pas avec ton image. Ce comportement que ces personnes ont derrière, ça ne va pas ton image. Voilà, voilà ça.
Voilà ça. Voilà la lettre qu'elle a. Je vais relire pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà. Voilà. Laurence, il faut qu'il est dans ça. Je t'apprécie beaucoup. Moi, quand j'aime quelqu'un, je le dis toujours. Qui est dedans? Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. On était couchés, le peu, on faisait le live. Hein. Je te mets à la page. Anna, t'es quitté où? On était couchés, le peu, on faisait le live sur le faux profil qui a menacé Laurence hier. Puis Laurence a fait un post. Et puis on décortiquait. Et j'ai reçu un courrier chez moi à la maison. Je vous ai déjà dit que ma boîte aux lettres là, moi je suis tellement paresseuse. Ma boîte aux lettres là, je n'ai pas enlevé le nom de mon mari dessus, de mon ex-mari dessus. Mon nom, tout, c'est mon nom, tout qui est là-bas. Voilà. Non, c'est pour lui dire que, c'est-à-dire que tu es là, tu peux aimer quelqu'un et puis tu vois que la personne est sorcière. Et c'est des choses qui ne n'a pas son image en fait. Voilà. Si moi je s'appelle, lui dit tout à l'heure, il n'y a plus coalition. Point. Chacun n'a qu'à se chercher. Chacun va porter son fardeau. Voilà les choses que qui es-tu femme soutient. Parce que pour le moment, c'est qui es-tu femme soutient. Voilà les choses qu'on soutient. Voilà. Donc, je vais vous dire. Je ne suis pas là. Je n'ai pas encore vu Laurentia. Donc, je préfère la prévenir pour lui dire. L'acte, le comportement d'une personne qui est membre de la coalition ne veut pas dire que Laurentia elle va charger tous les actes. Voilà pourquoi je lui dis de quitter dedans dès maintenant. J'espère qu'elle a compris. J'ai dit, j'étais très déçue d'elle hier. Quand un faux profil, elle a vu qu'il y a eu plainte contre moi. Elle a vu tout ce que c'est. Elle n'a pas fait de poste pour calmer les choses. Mais j'étais très déçue d'elle hier. Lorsque un faux profil la menace pour lui dire, va faire poste, va parler. Et puis elle vient parler. J'étais très déçue sur elle. Voilà. Donc je vous explique pour ceux qui. Oui, c'est un courrier qui était envoyé à M. Troquet, puisque son nom est sur la boîte aux lettres. Donc. Je vous explique un peu. Je vous montre les photos, la lettre. Voilà l'enveloppe. La personne n'a pas mis de nom. La personne a juste mis comme... Bon, la personne, tu vas voir que c'est une personne qui n'est pas trop allée à l'école. Il y a l'écriture. Donc, voilà ce que la personne écrit. 65 rue de Strasbourg. 93 200 Saint-Denis. Voilà, il n'y a pas de nom dessus. Mais je vais aller à la poste tout à l'heure avec le numéro qu'elle a. On me dira le nom de la personne qui a posté la lettre. Peut-être que sûrement la personne a fait la lettre depuis la maison pour mettre dans une boîte aux lettres. Voilà, mais on va aller. Oui, bon, pour le moment, on reste dans la logique des choses, les amis de Vette et les sympathisants. Ne soyez pas, je sais que vous êtes énervé, Matéla, ne vous énervez pas. Donc, je reçois le courrier en question et voici ce que le courrier dit. On va lire ensemble. Bonjour, monsieur Troquet. Je me nomme madame GP. Moi, automatiquement, les initiales de ce nom qui viennent dans ma tête, j'ai comme guédé. Comme Philomène, une fille avec qui j'ai des problèmes actuellement qui a pris ma chaussure sur internet. Bon, j'ose croire que c'est pas elle parce que j'ai reçu des menaces comme quoi j'ai comment on appelle ça, comme quoi j'ai qu'elle va me bousiller. Et la dernière fois, elle a fait un live en parabole que j'ai même pas calculé où elle parle de sa cousine Kiki. Bon, j'ai pas calculé pour ne pas lui donner de la valeur. Et quand je reste là, la personne disait que oui, les gens sont allés signaler à la préfecture, que oui, qui parle beaucoup. Donc, j'ai compris déjà qu'une action allait être menée contre mes papiers ici en France. Ça, je le savais déjà. Parce que quand moi, je regarde un live, je ne regarde pas ce que la personne... Vous savez, quand je te regarde, ce que tu sors de ta bouche, et puis je reste, que t'es doué, je te regarde, puis je te lis à travers tes yeux, et je vois déjà ta pensée. Donc, quand je reste sur le live de Philly, où elle parlait de sa cousine, truc et tout ça. Je n'ai pas voulu donner de l'importance à son live. Si vous avez vu, je n'ai pas donné de l'importance. Et j'ai compris automatiquement dans ce live que la personne était en train de mener une action contre mes papiers en France. Que tôt ou tard, ils allaient vous attaquer à mes papiers. Voilà pourquoi hier dans mon live, j'ai dit que quand vous voulez vous attaquer aux papiers de quelqu'un là, demandez parce que c'est la grâce de Dieu. Et que si vous pensez que parce que la personne est assise, vous pouvez aller signaler à la préfecture, allez-y signaler. Rien à foutre. Ils savent qu'ils ne peuvent pas aller signaler à la préfecture comme ça. Ils ont quoi? Ils sont qui? Ils n'ont rien de bon. Donc là, je reçois là. Voilà, c'est écrit. Bonjour, monsieur Troquet, je me nomme madame GP. Je suis une mère célibataire qui élève seule ses enfants, dont un est gravement malade. Situation très difficile pour moi. Je subis, il y a de cela quelques jours, un acharnement. Envers ma personne et je compte me défendre face à ces menaces. Ok.
C'est avec stupéfaction que je constate votre indifférence face à votre épouse vis-à-vis de toute cette tromperie sous votre nez. Voilà. Et lisez, hein? Voilà. En effet, cette femme de basse moralité vous utilise pour une femme bien précise pour avoir ses papiers français. Elle couche avec un black qui vit à Lyon. Et ça, depuis son arrivée en France. Elle a fait un voyage à Dubaï avec son copain il y a 2 ans de cela, en vous laissant croire qu'elle partait toute seule. Mais ce n'était pas le cas. J'ai les preuves, vidéos et photos s'affichant. Tu as envoyé clé USB. Tu n'as pas envoyé clé USB. Tu attends après pour envoyer clé USB là. Quand tu vas envoyer quoi, c'est moi, je vais prendre encore. Ne soyez pas choqués. Ne soyez pas choqués. Avec ce dernier en question, elle vous utilise juste pour avoir la nationalité française et partir s'installer en Suisse. En tout cas, je vais m'installer en Suisse. Ça, c'est moi, c'est vrai. Avec lui, j'ai toutes les preuves. Elle a passé la Saint-Valentin avec lui le 14 février dernier en vous laissant à votre domicile comme d'habitude. J'ai vraiment de la peine pour vous. Mais il fallait venir à domicile, t'allais expliquer ça. Elle était... Personne ne se sait du discours Gisèle Gabriel. De toutes les manières, l'affaire se sera traitée devant un avocat. Donc, restez tranquille. Voilà. Je connais la Ekalan de Manek Hita. Je les connais très bien. Voilà. Je les connais très bien. Voilà. Voilà. Je les connais très bien. La Ekalan ne fait pas ça. Arrêtez de monter sur la Ekalan. Voilà. La vérité est tellement blessante. Ça y est, l'acte posé est tellement fort que vous voulez mettre sur Manek Hita. Non. Ce n'est pas Emmanuel Keita, ni sa Ekalan. La Ekalan ne fait pas ça. Voilà. La Ekalan ne fait pas ça. La Ekalan ne fait pas ça. Voilà. La Ekalan ne fait pas ça. D'accord? Voilà. Vous trouverez toutes les photos d'elle et son amant dans cette lettre. Vous pouvez aussi envoyer cela à la préfecture de Bordeaux pour dénoncer ces abus de confiance vis-à-vis de, vous. C'est une femme très dangereuse pour, pour vous et votre famille. Et la personne, vous pouvez également faire voir ces photos à votre mère. Quel trait de femme légère et malade mentale. Vous voyez un peu le mensonge qu'il y a. J'espère que cette lettre vous aidera. Mais il faut mettre où je suis sa maman là aussi, à ouvrir les yeux depuis des années, coordonnément GP. En tout cas, je sais que tu pleures déjà en voyant tout ça. Et voici les photos, je vous montre. Voici les photos qu'elle a envoyées. 2, 3, 4, 5 et 6, 7. Qu'est-ce que tu montes là encore? Ah, c'est la photo si tu prends aussi. Il y a quoi sur ma photo, ça là? 7. Voilà. Et 8. Voilà. Voilà ça qui est là. Oui. Elle demande au monsieur pour le faire. Mais va. Toi qui demandes, tu as toutes les poses. Va à la préfecture. Va faire ça. Va à la préfecture. C'est tellement pathétique. C'est tellement pathétique. Ça vous fait mal. Oui. Ça vous fait mal. Va à la préfecture. Et je suis sûre que déjà, mais tu as déjà envoyé tout ça à la préfecture. Tu as envoyé ça pour que peut-être que le monsieur puisse partir parler. Mais c'est moi qui vais aller à la préfecture maintenant. Va. Continue. Continue. Va à la préfecture. C'est ça qu'on dit, bousiller. J'ai juste pitié, en fait, en réalité. Voilà. Je n'ai pas beaucoup d'ennemis sur la toile, ma chérie. Je vais te bloquer. Voilà. Je n'ai pas beaucoup d'ennemis. Mais ça, c'est pas beaucoup d'ennemis. Voilà. Et moi, je parle à la personne qui a fait ça. D'accord? C'est vous qui vous embrouillez, en fait. Voilà. Arrêtez. J'ai déjà dit que l'affaire, ces documents
au lieu que ça parte à la préfecture, ça va aller, comment on appelle ça, devant un avocat. Et la personne qui a fait sera retrouvée. Quand la personne qui a fait sera retrouvée, son nom sera mentionné ici. Pourquoi vous parlez beaucoup? Pourquoi vous êtes là, vous faites truc? Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Les vidéos où j'ai insulté la mère du monsieur, qu'elle est malade mentale, la personne qui envoie toutes ces vidéos en question, ne vous en faites pas. Donc, je vais te dire que tu es tellement pathétique. D'accord? Tu es tellement pathétique. Parce que il faut avoir une vie fade. Il faut avoir une vie misérable. Et je suis sûre qu'actuellement, tu pleures. Tu pleures jour et nuit. Tu pleures jour et nuit. Parce que pour faire ce genre de choses, à une personne qui ne s'est jamais attaquée dans ta vie, qui est restée sur le game de Facebook, qui répond lorsqu'on l'insulte, qui répond lorsqu'on l'insulte, quitter les réseaux sociaux et puis aller l'attaquer dans sa vie. J'ai dû te cogner verbalement fort. Hein? Tu viens de me montrer que je t'ai touché là où il faut. Tu viens de me montrer que tu t'es touché là où il faut en fait en réalité. Tu viens de me montrer que tu es KO. Tu viens de me montrer que tu es KO. Tu viens de me montrer que ta vie n'a plus de sens lorsque j'ai posé ma bouche sur toi une fois sur Internet. Vraiment, en tout cas, ils vont rendre la godasse. Ils vont rendre la godasse. C'est pas Eka. Eka va jamais me détruire. Arrêtez de mentir. Eka va jamais me détruire. D'accord? Eka va pas le faire. Enlevez le nom d'Emmanuel qui était ici aujourd'hui. Assumez vos actes. Enlevez son nom ici. Enlevez son nom ici. Vous tremblez. Vous êtes mis à nu. Vous êtes mis à nu maintenant. Vous tremblez. Vous cherchez maintenant Emmanuel Keïta. Non, c'est Emmanuel. Non, c'est pas Emmanuel Keïta. Aïe. Je vous ai dit que ma vie, vous ne la connaissez pas. Je conjugue ma vie sur Internet. Ma vie est un film sur Internet. C'est moi qui fais mon film. Je suis dans un rôle sur Internet. D'accord? Je suis dans un rôle sur Internet. Et je sais où taper. J'ai tapé dans vos ventres ce matin. J'ai tapé dans votre ventre ce matin. Enlevez le nom de Eka ici. Eka va jamais faire ça. C'est pas Eka. Enlevez son nom aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez dit que oui, c'est Eka. Non, non, non. Enlevez son nom. Et c'est les gens qui. Voilà. Les gens qui ne me suivent pas, qui vont venir dire oui, c'est Eka. Non, enlevez son nom. C'est moi, je connais mes. Les gens qui ne m'aiment pas, c'est moi qui les connais. Dieu, il met toujours. Dieu va toujours mettre mes ennemis à nu. Quand je vous parle, vous ne comprenez pas. Je suis dans un rôle sur Facebook. Ce n'est pas ma réalité. Je suis le David de ma famille. Je suis la fille préférée de Dieu. Tout ce qui se conspire sur ma personne dans le noir sera mis à nu. Quand je passe ces propos, ça en va. Vous êtes mis à nu, comme ça. Si on vous demande qu'est-ce que Sylvia vous a fait, non, rien. Le jour que je me suis levée pour aller même signaler Emmanuel qui était dans sa vie en question. Elle-même est déjà fatiguée. Les signalements qu'on lui a fait là, elle est fatiguée. Elle-même là, elle a compris qu'elle ne doit plus me signaler dans ma vraie vie. Voilà. Elle a compris que où elle a signalé, elle ne doit plus me signaler. Elle ne peut pas venir me signaler comme ça. Elle pas. Non. Ils sont en train. C'est un comportement des moutons. Je vous ai dit que c'est des êtres refoulés moutons. C'est des moutons. Vous comprenez maintenant quand Maya dit que. Quand Maya dit que. Écoutez-toi. Hein, quand Maya dit que. Depuis que. Certaines personnes ont quitté Emmanuel Keïta. Il n'y a plus de signalement. Pourquoi aujourd'hui ce signalement cette personne aujourd'hui, je suis en histoire avec une personne pour ma chaussure. Et les signalements commencent maintenant vers moi. On comprend maintenant ceux qui sont à la base des signalements dans le groupe de la E40. On comprend maintenant, Maya dit que oui, ceux qui signalent les gens, ceux qui rentrent dans la vie des gens. Oui, on comprend là aujourd'hui. On comprend là aujourd'hui. Vous avez vu la E40 parler depuis deux jours, vous avez vu. Moi-même là, je me suis assise et puis j'ai dit que. Je voulais faire pas vous dire, mais la E40 est perdue. Hein. Depuis même les postes, même qui postent Emmanuel Keïta, depuis qu'on a annoncé le procès là, ils sont tous loin. Actuellement, ils pleurent la paix du procès, ils ne sont pas là. Quand Maya dit que. Depuis que certaines personnes ont quitté Emmanuel Keïta en question, il n'y a plus de signalement d'enfants. Il n'y a plus de signalement dans la vie pour des gens. Vous comprenez maintenant?
Pourquoi aujourd'hui je reprends ma chaussure et je reçois ce genre de signalement? Pourquoi aujourd'hui? Parce que les ex-moutons refoulés, que la EKALA a refoulé, qui faisaient les signalements en question, qui rentrent dans la vie privée des gens en question, ils ont décidé de me combattre. Oui, c'est un comportement des moutons. Mais ce n'est pas les moutons de la EKALA. Parce qu'il y a deux sortes de moutons maintenant sur Internet. Il y a les moutons refoulés et les moutons de la EKALA. Et ceux, les moutons refoulés en question, ils savent comment faire les signalements. Ils savent comment faire les choses. Mais malheureusement, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je ne suis pas allée chez un marabout pour me marier. Jamais de la vie. Voilà. Je ne suis jamais allée chez un marabout pour avoir le mariage avec un toubabou. Je ne suis jamais allée chez un marabout pour qu'on puisse m'emmener en France. Je n'ai jamais touché. L'histoire de mon mariage, je l'ai racontée ici. Je l'ai racontée sur Internet. S'il y a quelqu'un qui ne voulait plus du mariage encore, c'était moi. Et pendant ce mariage, j'étais beaucoup attaquée. Si vous avez vu mes photos de mariage, vous allez voir que j'étais maigre là-dessus. Parce que j'étais beaucoup attaquée dans le spirituel. Le seul endroit où je partais pour me reposer, le seul endroit où je partais, c'était à l'église. Matin, je suis à Saint-Ambroise. Le soir, quand il y a les renouveaux, je suis au renouveau avec ma carrière génétique. Ça fait que mon séjour en Côte d'Ivoire, je n'ai pas bien profité parce que j'étais tout le temps à la maison. Je ne sortais pas comme ça dans les rues d'Abidjan. Maison, église. Oui. Au lieu d'envoyer ce genre de photos à mon domicile, mais allez voyager. Allez sur Yach. Faites votre vie. Je ne suis pas responsable du malheur que vous vivez. Madame GP, tu dis que tu es mère célibataire, que tu as un enfant qui vit une situation difficile parce qu'il a une maladie grave. Apparemment, tu n'es pas, ça ne te préoccupe pas. Apparemment, l'état de ton enfant ne te préoccupe pas. Tu as décidé de détruire le ménage des gens. Tu as décidé de détruire la vie des gens. Tu dois avoir honte de toi. Tu dois avoir honte de toi. Regarde. Même jusqu'à son Facebook. Dans le temps, quand j'étais en clash avec Tilapia, ça, je pense que j'ai expliqué aux amis des vêtements, je vais le réexpliquer encore. Quand j'étais en clash avec Tilapia, dans le temps, ils sont allés trouver son Facebook en question. Et puis, ils ont envoyé des messages. Ce jour, j'étais au travail. Et il m'a appelé, on ne s'était pas encore séparés. Et puis, il m'a appelé pour me dire, Sylvia, il y a quelqu'un qui m'écrit sur mon Facebook. J'ai dit, OK. Donc, moi, j'avais son Facebook en question. Je me suis connectée, puis j'ai vu les messages que la personne a envoyés. Ça, c'était la première tentative. Et puis, j'ai commencé à jouer le jeu. J'ai commencé à répondre à la personne. C'est-à-dire que ça, c'est sur Snap. C'est une vidéo Snap. Peut-être qu'elle a posté sur Facebook. Sûrement, je l'ai posté sur Facebook. Parce que ça, c'est mon Snap qu'elle a. Voilà. Et j'ai répondu à la personne. Voilà. Je vous ai déjà dit que cet homme, c'est un ange dans ma vie. Notez-le bien, c'est un ange dans ma vie. Malgré qu'on n'est plus ensemble, il y a des choses qui m'appartiennent, qui lui appartiennent. Voilà. Vous traitez sa mère, que je n'ai jamais insultée sur Internet, que vous-même, vous avez un jour insulté. Et en ce moment, quand ils sont entrés dans le inbox de mon mari en question, dans le temps, quand j'étais sur Facebook en question, les moutons tous les moutons étaient ensemble, ils n'étaient pas encore séparés. On te dit d'envoyer, je sais, tu envoies courrier. Voilà. Laissez. Ma chérie, attends, je vais te bloquer. Voilà. Tu as un faux profil. Il te dit. On vous dit d'envoyer chaussures. Vous envoyez courrier pour détruire mes papiers. Ça vous fait mal. Hein? Après, quand il m'assoit pour vous naguer, pour me moquer de vous, pour vous dire que j'ai voiture, j'ai maison. Voilà. On dit que je suis SDF. Mais voilà, courrier arrive à mon domicile. Voilà. Il te dit. Cette personne est très méchante. Et elle-même, elle parle même de son enfant dont t'es mal. Voilà. Tu fais des choses. Comment Dieu te bénit en fait? Et ce qui me fait mal, c'est que ton acte que tu poses là,
Ce sont tes enfants qui vont prendre ça. Si tu as beaucoup d'enfants, c'est eux qui vont prendre. C'est eux qui vont prendre ces actes en question. Tu bloques ma chaussure, je dis ramène ma chaussure. Tu vas faire des inventions. Et puis tu envoies pour dire que moi j'insulte la mère du monsieur. Tout ça pour mettre les problèmes. Tout ce qu'on te demande, c'est de ramener ma chaussure, ma chérie. Ramène ma chaussure. Tous ces conneries que tu as envoyées, je les ai récupérées. Et je vais te coller un procès. Et tu vas ramener ma chaussure. Ramène ma chaussure, c'est ce que je te demande. Ramène ma chaussure. Ton enfant est malade. Au lieu de te couper de ton enfant, toi, c'est pour détruire la vie des gens. Mais tu détruis la vie des gens. Mais comment Dieu a été béni? On dit ramène, tu fais un courrier. Ma chaussure, il faut la ramener. C'est tout ce que je te demande. Ramène ma chaussure. Ramène ma chaussure, ma chérie. Ramène. Ramène ma chaussure, madame GP. Ramène. Ramène. J'ai honte pour toi. Maintenant, comment est-ce que tu vas te regarder pour faire des lives sur Internet? Maintenant, comment est-ce que tu vas te regarder pour faire des lives? Maintenant, comment est-ce que tu vas te regarder, madame GP, pour parler à ce que tu as maintenant? Parce que l'acte que tu as posé, je ne vais pas faire de réplique. Je ne vais pas faire de réplique. Je suis dans une logique de vous mettre à nu. Et ça, je l'ai dit, vous n'avez pas compris. Je suis dans une logique de vous mettre à nu. Tout acte que vous allez préparer contre moi, je verserai tout verser sur Internet et puis je vais continuer mon chemin tranquillement, tranquille. Oui. Je verserai tout. Oui. Je verserai tout sur Internet. Je vais vous mettre à nu. Et je ne me comporterai pas comme vous. Mais je vais réclamer ma chaussure. Parce que c'est ma chaussure à moi. Parce que c'est ma chaussure à moi. C'est ma chaussure à moi. Tout ça fait peur. C'est plus que de la... Oui. Peut-être que comme tu as échoué, peut-être comme tu as ma chaussure, peut-être tu vas envoyer ma chaussure chez un marabout pour dire, ah, parce que tu es dans l'optique de me détruire. Mais je t'ai dit que quand on veut détruire quelqu'un, c'est avec raison. Quand on veut faire du mal à quelqu'un, c'est avec raison. Donc, si tu as, comme tu viens d'échouer, ton plan a échoué, parce que c'est un échec. Ce côté, c'est un échec. Et comme ça a échoué, et comme tu es dans l'optique de me détruire, il faut avoir raison. J'allumerai une bougie à Lourdes pour toi, en ton nom. Je vais retourner à Lourdes et puis allumer une bougie en ton nom. Et tout ce que tu as fait chez les marabouts, c'est ma chaussure, c'est moi, j'ai mis mon pied dedans. Personne d'autre n'a porté ma chaussure. C'est moi, j'ai mis mon pied dedans. Si un jour, il t'arrivait d'avoir l'idée d'envoyer cette chaussure chez un marabout en question, ça va faire retour à l'envoyeur. Peut-être que c'est là que tu as te méfier de moi, Sylvia. Peut-être que c'est là que tu as te méfier de moi. C'est là que tu vas comprendre que je suis l'enfant. Je suis le David de ma génération. C'est là que tu vas comprendre que quand je dis que je suis la fille préférée de Dieu, ce n'est pas des propos que je prononce en l'air. Dieu ne me mettra jamais la honte. J'ai la victoire. Toujours sur mes ennemis. Mon adresse là, il y a longtemps ils ont ça. Il y a longtemps mon adresse, tout le monde connaît mon adresse. Laissez ça. Voilà. D'ici jusqu'à février, je déménage d'ici jusqu'en février. Il y a longtemps que mon adresse là est là. Voilà. Je quitte ici en février. Quand j'ai dit que je n'avais pas déménagé, c'était sûr que c'était la vérité. D'accord? Je suis la fille préférée de Dieu. Oui. Je n'emmène jamais mon ami chez Marabout. Je n'ai pas cette idée-là en question. J'ai l'idée de me défendre. Quand je t'ai dit la chaussure, mon combat. Quand on m'attaque, je contre-attaque. Quand on m'attaque, je contre-attaque. Voilà pourquoi que je n'aime pas la justice. Aller en justice, porter plainte, je n'aime pas. Même si j'ai raison, je préfère même attaquer. Maintenant, vous êtes allé en justice et puis je viendrai répondre. Pourquoi est-ce que j'attaquais? C'est ça mon combat. Je n'offense pas les gens. C'est parce que ma réplique est forte. Je sais répliquer fortement pour toucher. Voilà. Je ne rentre pas dans la vie des gens pour planifier comme cela. Pour planifier, non. Honte à toi. Honte à toi. Faut t'asseoir et puis pleure un coup aujourd'hui. Pleure un coup. Honte à toi. Il faut t'asseoir et puis pleure un coup. Parce que Facebook te regarde. On vous regarde aujourd'hui. On vous regarde.
Maintenant, là, vous voulez prendre la E40. Non, ce n'est pas la E40. Non, ce n'est pas la E40. Ce n'est pas la E40. Non, non, non. Ce n'est pas la E40. Je sais comment ils font. Oui. Quand je mange avec quelqu'un une fois, je sais comment la personne se comporte. Il suffit simplement que je parle au téléphone avec toi une fois. Je sais comment tu te comportes. Ce n'est pas la E40. Si, et je vais te décevoir aujourd'hui pour te dire que si ton ambition est que, parce que je sais que tu as fait ton petit groupe là-bas, déjà vous avez commencé à envoyer les courriers à la préfecture. Oui, voici les photos, elle trompe. Tu as fait un live où tu as parlé de polyandrie. Mais quand tu parles des mots, il faut connaître le sens. Elle trompe. D'après toi, bon, ok, bon, je suis mariée, je trompe. Je trompe. Voilà. Et tromper ne veut pas dire que je suis polyandrie. Parce qu'on va aller sur tes mots, en fait, en réalité. Oui, je suis mariée, je suis toujours mariée. D'après toi, je trompe. Oui, ok, oui. Mais les ministres en France, ici, trompent leurs femmes. Tranquille. Ça ne veut pas dire qu'ils sont polyandres. Parce que polyandrie, c'est quand tu as marié deux hommes. Voilà. Tu vas aller dire que oui, elle fait la polyandrie. Ils vont te demander où est la preuve de polyandrie. À mettre les actes. Son acte de naissance où il y a polyandrie dessus. Il n'y en a pas. Parce qu'une tromperie n'est pas une truc. La seule personne qui peut parler pour dire que oui. Et puis, on ne peut pas aller à la préfecture parce que j'ai trompé un homme. Non. Tu ne connais pas la loi. La seule chose qu'il peut faire, c'est un divorce. Oui, ma femme m'a trompé, il faut que je divorce, c'est tout. C'est tout. On ne va pas à la préfecture avec ça. Tellement illettré que vous êtes. Vos chemins, c'est la cave. Quelqu'un ne peut pas venir à la préfecture après 4 ans de mariage pour dire. Va relire tes lois, parce que tu ne lis pas bien tes lois. Pour dire non, bon, j'ai fait 4 ans de mariage à la personne. Donc, comme elle m'a trompé, ça va signifier que. Elle veut les papiers français dans le cas. Non, la pauvreté ne marche pas comme cela. Ils vont lui dire, monsieur, allez voir un avocat pour divorcer, puis c'est en justice. La pauvreté ne règle pas ce genre de problème comme ça, non. Voilà. Voilà. On appelle ça vie privée. On appelle ça, comment on appelle ça? On appelle ça notre linge. Je vais t'employer les mots aujourd'hui hein, pour que tu puisses comprendre. C'est-à-dire, tellement vous êtes bêtes sur Internet, à force de des trucs que vous ne comprenez pas. Et la préfecture n'a rien à voir dedans. Si je reste mariée en France, j'ai mes droits en France. D'accord? La préfecture ne va pas venir fouiller pour dire, comme tu trompes ton mari, on ne te donnera pas tes papiers. Non. Donc, c'est-à-dire que même sur ça encore, sur cette hypothèse, vous ne savez rien. Voilà, vous ne connaissez rien. Ma vie vous fatigue. Ma vie vous dérange. Oui. C'est pas l'homme que vous êtes traité d'handicapé ici aujourd'hui. Là. Vous venez écrire. C'est pas l'homme que vous avez insulté ici sur Internet ici. C'est pas l'homme que vous insultez matin, midi sur Internet ici. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Donc, allez envoyer plusieurs courriers à la préfecture. Fatiguez-vous. Je ne suis plus au stade de la préfecture, moi. Allez, on veut plusieurs courriers à la préfecture. Et j'irai répondre tranquillement, tranquille. D'accord? Ok? Et M. Retroquet ira répondre tranquillement, tranquille. Il va vous dire, je vous donne la réponse. Oui, ma femme me trompe, je sais qu'elle me trompe, mais on a réglé le problème, c'est fini. On n'a plus de problème dans notre couple. Ma femme, je l'aime. C'est fini. On va lui envelopper parce qu'il aime sa femme. Même là encore. Oui, on va l'appeler Monsieur Troquet. Votre femme vous trompe. Il va dire oui, ma femme me trompe. Ça, je vous donne la réponse. Ma femme ne me trompe. Je l'aime comme cela. Je l'aime comme cela. Tu as mal. Tu as le où? C'est que là, tu vas courir. Tu vas voir courir maintenant Macron. Hein? Tu vas voir courir maintenant Macron. Hein? Facebook, c'est le game. Et je gère mon game de Facebook comme je veux. Voilà. Je gère mon game de Facebook comme je veux. D'accord? Voilà. Je gère mon game de Facebook comme je veux. C'est tellement triste. Je suis dans mon rôle sur Facebook. Ok? Souffrez. Souffrez.
Donc, Madame GP, au lieu qu'on envoie la préfecture, parce que la préfecture n'en a rien à cirer de ce qui se passe dans ma culotte, je vais faire mieux que ça. Je vais envoyer tout ça avec ta lettre chez l'avocat. Et puis, il va te trouver pour que tu puisses dire pourquoi est-ce que tu rentres dans la vie privée des gens, en quoi ma vie privée te regarde à tel point de faire ce genre de diffamation. Ah, c'est tout. Il y a des gens qui sont en couple 30 ans et puis ils font chambre séparée. Vous n'avez pas vu. Il faut que je parle un peu des histoires de couple pour que vous puissiez comprendre. Il faut que je fasse un live sur les histoires de couple. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Les gens qui ne comprennent pas. Et les gens, ils sont dans la maison. Ils ne se mougoutent pas. Ils font chambre à part. Le simple fait qu'ils sont en contact, le simple fait que même sa femme ne peut pas lui donner là, ça lui plaît. Et puis il dit, c'est ma femme. Vous n'avez jamais vu ça. Ben, j'ai oublié, vous n'avez pas fait de couple. Vous n'avez jamais été en couple. Vous avez juste des baisers laissés en santé. Vous ne connaissez pas ça. Il y a des hommes là, même eux-mêmes là. Ils ont marié les femmes. Et puis ils appellent, il y a des foyers. Il y a des couples, surtout les riches là. Ils appellent là, ils prennent une femme et puis ils disent, ah, ça y est, le couple là. Ils sont les plus divins. On aime faire comment on appelle ça, les partouzes. Et puis ils se font des partouzes. Ils aiment, monsieur aime, madame aime. Et puis ils font des photos. Maintenant, toi, tu es à côté, tu as mal, tu prends une photo, tu dis, ah, voilà, hein. La femme, elle fait partouzes. Voilà, voilà. C'est ça. Ça, c'est le comportement de Jahiliya. De top, ça, je suis sûr que c'est une vieille femme bête qui dirait. Comportement de papato. Elle a réuni tous les vieilles femmes frustrées de Bengue là, contre la pauvre Sylvia. Sylvia vit sa vie. Elle est heureuse. Elle voyage. Elle voyage. Ça nous énerve. Il faut qu'on la détruise. Elle pense qu'elle est arrivée. Elle n'a pas quoi arriver. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Où elle est là? Actuellement, elle cherche sa nationalité française. Vous voyez? C'est là qu'il faut qu'on tape. Mais qui vous a dit que la nationalité française même là, c'était trop mon rêve de truc? Non, ce n'est pas mon rêve. C'est un droit que je demande. Qui vous a dit? Je peux même. Pourquoi même vous ne vous faites pas attention? Parce qu'en Suisse où je vais là, je peux aller demander. Je peux prendre un Suisse. Il va me marier. Et puis j'ai un Suisse là-bas. Ça aussi, voilà ça aussi qu'elle a. Vous êtes tellement stupides et bêtes que vous êtes toujours dans les bêtises humaines en fait, en réalité. Voilà. Vous êtes bêtes à tel point que vous pensez que vous ne savez pas mon point faible. Vous ne connaissez pas mon point faible. Tu dis que la personne dit, elle va vivre en Suisse. Bon, ok, j'allais m'installer en Suisse là-bas. Moi, elle me cherche actuellement. Je peux aller en Suisse et puis me marier avec un Suisse. Et puis avoir la Suisse en question. Ou même ça, ça ne peut pas aussi. Ça, ça ne peut pas aussi. Qu'est-ce que vous en savez? Vous ne savez pas? Mais je peux, tu portes les notes pourquoi tu écris en quoi avec forme. Il était dit, il y a les écritures. Ce qui se passe dans le couple reste dans le couple. La loi n'a rien à voir. Si un dans le couple est fatigué, il dit, ah, je suis fatigué, je vais divorcer. On ne va pas à la préfecture pour divorcer. On va à la préfecture. Je ne suis plus au niveau de la préfecture. Maintenant, je vais bien vous expliquer maintenant. Mon mariage n'est plus au niveau de la préfecture. Mon mariage n'est plus au niveau de la préfecture. Même si aujourd'hui, M. Tronco divorce de moi, j'ai le droit d'avoir mes papiers ici en France. Parce que j'ai plus de 4 ans de mariage. Oui. Parce que j'ai plus de 4 ans de mariage. Même si je divorce, je ne serai pas sans papier. Allez-y voir un peu. Vous ne connaissez pas. Allez-y voir un peu. Allez-y voir un peu. Oh oui, elle veut avoir les papiers français. Mais j'ai une carte de séjour français. Vous pensez qu'on va m'enlever ça? Vous savez comment j'ai fait pour croiser M. Tronco? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Voilà. Ce n'est pas un mariage blanc. Comme un moment, vous l'avez annoncé. Vous avez annoncé un moment que oui, j'ai fait un mariage blanc. Je ne me suis pas occupée de vous. Voilà. Je ne me suis pas occupée de vous. Et même si je divorce, j'ai droit à mes papiers ici en France parce que j'ai fait plus de 4 ans de mariage. La petite partie, là, vous ne savez pas ça. Je vais vous décevoir pour mettre dessus. Voilà. Je vais vous décevoir pour mettre dessus. Je vais vous décevoir même. Quand la lionne parle, c'est que tout est bloqué.
est bloquée. Je ne suis pas comme vous. C'est vous, c'est moi, je travaille pour vous nourrir. Oui, je ne suis pas comme vous. Là, tu as pitié, tu as honte. Là, tu pleures parce que tu viens d'échouer. Ce qui s'est passé là, tu dois comprendre que tu dois, ça y est, si tu es intelligente là, faut dire non, je laisse tomber. Cette fille là, il y a Dieu dans son affaire. Faut dire, j'ai dit ici que qui me combat, combat Dieu. Vous n'avez pas compris. Ce soir, je vais allumer un feu. Qui me combat? Je ressentais ça ici en moi. Quand je vous dis souvent que ah, je suis malade, je ne me sens pas bien. C'est pas, souvent, ce n'est pas pour dire que tu es malade, hein, que tu souffres. Mais ça y est, tellement que les attaques sont fortes. Moi, quand j'ai beaucoup d'attaques là, mon corps chauffe. Mon corps chauffe. Quand je reçois beaucoup d'attaques, mon corps chauffe. Et en janvier là, j'ai reçu plein de pas mal d'attaques. Spirituellement. Mais quand c'est comme ça, c'est pas que souvent vous me voyez, il fait beaucoup de lait dans le noir. Et puis je me ressource un peu. Voilà. Donc il faut comprendre que j'ai dit ici, Dieu Tout-Puissant veille sur toi. Il veille sur moi. J'ai dit ici que qui me combat, combat Dieu. Parce que Dieu me bénit en fonction de mon cœur. Dieu ne me bénit pas à cause de commentaires de Facebook. Dieu ne me bénit pas parce qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas. Non. La preuve en est que vous avez mes amis. Ceux qui m'ont pratiqué dans la vraie vie. Ils sont là. Toujours jusqu'à présent. Le jour où je vais aller en Côte d'Ivoire, vous allez voir mes amis avec qui j'ai fréquenté. Mais contrairement à vous, ceux même que vous connaissez dans votre vraie vie, ils ne vous pratiquent pas. Voilà pourquoi je ne cherche pas camaraderie sur Internet. Voilà pourquoi je ne fais pas amitié sur Internet. Parce que quand tu fais amitié sur Internet, là, voilà où on arrive. Ça, là, c'est l'adresse où vous êtes parti fouiller. Et vous avez fait. Donc, imaginez-vous simplement, si je vous l'ai de Internet, je vous ai pris comme ami, jusqu'à vous confier des choses vraies, vraies de ma vie. Ça y est, des choses qui me tiennent à cœur. Donc, imaginez ce que vous allez faire en fait, en réalité. Voilà ce que je voulais montrer à mes abonnés. Quand on parle, non, tes amitiés finissent toujours bizarre, non. Vous êtes amis, vous êtes des sœurs. Ma personne m'écrit. Après, j'allais là. Non, vous êtes des sœurs. Vous êtes des sœurs, vous voyez. Une sœur peut faire ça. Donc, laissez-moi quand je dis que je n'ai pas amis. Sylvia que vous voyez là, elle a traversé plus pire que ça. Je vous ai conté ma vie. Voilà, je vous ai conté ma vie. J'ai traversé beaucoup plus. Je connais l'être humain. Aujourd'hui là, je préfère porter ce manteau que j'ai. Ce rôle que je joue là, je préfère le jouer. Oui, parce que ce rôle me protège de beaucoup de choses. La Sylvia qu'on connaissait avant, qui est beaucoup sentimentale, qui pense à l'homme là, je l'ai mis de côté. Parce que j'ai vécu des choses. Ma vie me conseille. C'est pas un être humain qui me conseille, non. Ma vie que je vis me conseille. Ce que je vis me conseille. Je peux faire une erreur une fois, mais pas deux fois. C'est ça. J'ai dit même que j'ai lutté avec les sorciers de mon village et puis j'ai gagné le combat. Ça y est, ce mec qui m'a mis au monde là, j'ai gagné le combat contre eux. Je suis née pour être attaquée. Je suis née pour avoir la victoire. On m'attaque et j'ai la victoire. Ma vie était combat. Voilà pourquoi quand je venais lui voir, moi ici à semaine, venez, je les nague après. Parce qu'ils sont pleins. Parce qu'ils sont pleins comme ça. Vous voyez, même ton petit bonheur dérange les gens. Ne pensez pas qu'un homme bonheur, non, t'as dit que, ah, mais ça, c'est que j'ai... Non, je connais l'être humain. Ton petit bonheur dérange. Ils vont venir s'asseoir pour dénigrer. Ils vont venir s'asseoir pour dénigrer. Non, ils dénigrent parce qu'ils n'ont pas. Ils dénigrent parce qu'ils n'ont pas. Ils dénigrent parce qu'il n'y a pas. Vous comprenez? Ils dénigrent parce qu'ils n'ont pas. Oui. Et leur haine les envoie dans des choses pas possibles. Faites attention aux gens qui disent qu'ils ne... Je vous dis toujours que quand quelqu'un ne parle pas, quand quelqu'un dit, ah, je ne parle pas, je regarde, là. Faites attention. Parce que dans le noir, il planifie. Dans le noir, il planifie. Faites attention. Quand vous avez quelqu'un auprès de vous qui parle, oh, comme Sylvia là, aimez la personne. Les gens comme Sylvia là, eux, ils disent tout. Ce qu'ils prennent dans leur ventre, ils sortent.
Et puis, ils ne gardent rien. Les gens comme Sylvia, là, ils ne gardent pas de rancune. Les gens comme Sylvia, là, ils te proposent des trucs dans leur cœur. Sylvia, quand tu lui fais tes faits, c'est elle pour elle, dent pour dent. Tu sais, tu l'insultes, elle t'insulte. Sylvia, elle ne t'aime pas. Elle dit, ah, je ne t'aime pas. Mais Sylvia, papa, vient te dire, non, je ne t'aime pas. Et puis, elle va aller dans la nuit noire, faites-lui. Non. Les gens qui cherchent la compassion sur Internet, qui cherchent à avoir un bon visage, un bon. Ça y est, non. Non, moi, là, c'est bien. Vous voyez, non, moi, là, c'est ange. Ils sont jamais des anges. Les amis de Vette, continuez à me suivre. Parce que vous allez connaître le visage de l'homme noir. Le jour que j'ai déposé ma caméra, c'est que je vous aurai appris beaucoup de choses dans tout ce qui ne passe pas dans la vie. Je vais vous montrer le visage de vos amis, ceux que vous appelez amis, ceux que vous considérez. Vous allez voir comment les gens font des choses dans votre dos. Vous allez voir comment vous voyez des gens, on vous fait du mal. Vous dites, mais qui a fait pour ça et pas? L'ennemi n'est jamais loin. C'est pas celui que... L'ennemi n'est jamais loin. Vous avez compris? Vous avez compris? Mon cercle est fermé. Votre lionne que vous voyez là, oui, elle est petite. Elle est petite, mais c'est une femme qui est pleine d'intelligence. C'est une femme qui est forte. C'est une femme qui est vraie. Voilà pourquoi ses ennemis tomberont toujours à ses pieds. Voilà pourquoi Dieu mettra toujours à nu tout ce qui se passe dans le noir. Ils n'avaient pas prévu ça. Si la personne avait prévu que j'allais avoir les documents, les gens se disent que lui, je ne suis pas chez moi. Oui, parce que moi, je sais lire entre les lignes des... Ça y est, souvent qu'il y avait mes lives là, tu comprendrais ce qu'il dit. Mais moi, je comprends ce qu'il dit. Je joue avec le cerveau des gens. Je joue avec le cerveau dedans. J'ai dit que je vais taper dans leur ventre. Et j'ai tapé fort. J'ai tapé fort. J'ai tapé fort. Voilà maintenant ce qu'ils sortent dans leur ventre qu'elle a. Je ne suis pas une lionne parce que ce n'est pas un mot que je me suis attribué. Je suis une lionne en vrai. La fille préférée de Dieu. C'est la même que Dieu aime. Voilà pourquoi je fais beaucoup le malin. On peut me détester, beaucoup peut me détester. Mais le peu qui m'aime, je suis avec eux. Mais Dieu m'aime plus que tout. Parce que quand tu as Dieu dans ta vie, il te protège. Je ne suis pas une athée. Et si vous pensez que je mens, allez me envoyer chez Marabout, vous n'allez pas croire. Là-même, là, vous-même, là, vous allez créer votre propre chute. Parce que, d'abord, je suis un enfant de Dieu. Et là où je suis quitté, ils n'ont pas dit, oh, il est bon, ils n'ont pas dit, oh, il est bon, il est bon. D'accord? Ils n'ont pas dit, oh, il est bon, il est bon. Peu importe le nombre de choses que vous avez fait pour me faire tomber, ça n'arrivera jamais. Ça sera un rêve. Ça sera juste du rêve. Ça sera juste du rêve. Le soir, quand je vais me lever, et puis je vais faire un bon live avec ça. Voilà. Ça sera juste du rêve. Donc, toi qui as commencé tes plans, là, il faut arrêter. Parce que tu vas te mettre dans les problèmes pour rien. Et tes plans ne vont pas évoluer. Tu ne savais pas qu'en faisant ça, tu t'es dit que oui. Quand je disais que j'étais à mon domicile conjugal, parce que oui, souvent quand je parle, je mets des mensonges. Et puis je mets une petite part de vérité, bon, sans importance. Parce que je sais que cette vérité que j'ai dit, vous n'avez pas pris en considération. Voilà. Vous avez dit, c'est fou, hein. Elle n'est plus le monsieur là-bas, elle n'est pas là-bas. Elle ne vit plus là-bas. On voit les trucs. Elle ne vit plus à lui. Mais ils sont toujours mariés. Peut-être que le monsieur est en train de demander pardon pour qu'elle puisse. Pour qu'ils puissent revenir ensemble, on ne sait pas. Voilà. Vous ne savez pas que j'allais avoir ces documents dans ma main. C'est dans ma main. Et ça ne partira nulle part. C'est dans ma main. En temps normal, je peux les déchirer. Mais je ne vais pas déchirer. C'est dans ma main. Voilà ça. Je vais les remettre tranquillement devant vous. De la manière que tu as mis dans l'enveloppe, c'est venu là. C'est comme ça que je vais mettre ça. Bon, je sais bien ce que je vais te dire. Prononce pas le nom de quelqu'un. Oh, laisse tomber ça. Laisse tomber. Oh, ne prononce pas le nom de quelqu'un. Laisse tomber. Laisse tomber. Quitte dans mon affaire. Ma chérie immaculée, c'est pas ton problème, c'est mon problème. Tu vois, c'est moi qui ai vu mon problème. Donc, tu ne sais rien. Donc, laisse tomber. Voilà. Et c'est pas un enfant. Voilà. Je vais remettre dans l'enveloppe. Tu as vu?
Voilà. J'ai remis les documents dans l'enveloppe et puis je les garde avec moi pour te dire que c'est moi je garde. Pour te dire que tout ce que tu as fait contre ma personne, tout ce que tu as fait contre moi, ça va venir chez moi à la maison. C'est ma maison à moi. Et tout ce que je trouve dans ma boîte de lettres en question, c'est moi je récupère. Ça ne chauffe pas. D'accord? Comme tu es dans une soif de vengeance pour finir avec moi, tu as trouvé le moyen de finir avec moi. Trouve d'autres plans. Mais je vais te dire simplement que tu vas échouer. Je vais te dire simplement que tu vas échouer. Voilà, parce que je n'aurai pas le même comportement que toi. Je ne vais même pas garder ma raison. Je reste dans ma raison. Ma chaussure sera réclamée, re-reclamée et re-reclamée toujours. Voilà. Oui, le tampon de la peste. Non, tu peux même aller. Moi, il m'arrive souvent. Voilà, moi, je suis dans ma ville, mais il m'arrive souvent de quitter ma ville pour aller à Bordeauxville et puis faire un courrier à Bordeauxville. On va voir avec les informations qui sont sur le truc. On va essayer de voir qui a posté, qui a envoyé le courrier. On va voir. Tout à l'heure, quand je vais couper le live en question, je vais aller à la poste. Je suis un peu dans les trucs de trucs. On va aller voir un peu qui a posté le courrier. Voilà. Parce que la personne, ils ont fait ça en lettre service plus. Quand je vais arriver à la poste, ils vont me dire. Voilà. Voilà. Il m'a dit à la poste, je dirais, fais-toi belle et jolie. Bien fait, me fais belle et jolie pour aller où? Pour la bouffe, trop oui. Merci pour le conseil, Félix Lumière, mais je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Oui, oui, oui. J'ai dit, quand je vais aller à la poste, là, ils vont trouver le nom de la personne qui a envoyé le courrier. Si la personne allait dans une... En tout cas, si la personne allait dans une poste pour poster ce courrier en question, ils vont trouver le nom de la personne. Au calme. On va trouver. Je vous en dirai tout à l'heure. Il est quelle 13h14. À 14h, la poste va ouvrir. Je vais aller à 14h30 à la poste. À 14h30, je serai à la poste. Et puis, je vais ouvrir. Donc, les amis des vêtements, voilà un peu. Non, ça n'a pas été fait en cours. C'est lettre service plus... Ça n'a pas été fait en recommandé, je ne sais pas trop. Non, je ne sais pas. Voilà. La personne a payé timbre 3,90 €. On va voir. Donc, voilà un peu. Je vous reviendrai avec le nom de la personne plus tard. Voilà. Donc, ne vous en faites pas. Je vous ai dit qu'il n'y aura pas de clash. Je vous ai dit que je vais réclamer ma chaussure. Voilà. Je vous ai dit qu'il ne peut pas avoir de clash. Voilà. Sylvia, Ivary n'est pas autant méchant. Je pense que les voisins ont joué un grand rôle dans ça. Les voisins n'ont pas joué de rôle. Aucun voisin n'a joué de rôle. Mais je vous dis, c'est pas la Ekalan. Ne mettez pas la Ekalan. La personne qui va accuser la Ekalan va se faire bloquer de mon truc. Que me laisse à téléviser. Linda a me tué. A me tué. Alors, je vais aller à la poste et puis ce soir, je vais revenir avec les documents. On va faire un crapaud. Je vous ai dit que je ne ferai pas de clash. J'ai dit, il n'y aura pas de deuxième Emmanuel Keïta. Ceux que les oreilles pour entendre vont comprendre cette phrase. Il n'y aura pas de deuxième Emmanuel Keïta parce que je n'en ai pas en fabriqué. Il n'y aura qu'une seule Emmanuel Keïta que j'ai fabriqué. Voilà. Donc, il n'y aura pas de clash. Je réclame juste ma chaussure. Si, à travers cette... Parce que depuis que je réclame ma chaussure, j'ai commencé à voir les vrais visages. J'ai commencé à voir qui est qui. Cette chaussure-là, je la bénis dans ma vie. Donc, je vais continuer à réclamer ma chaussure. Le jour que je vais arrêter, là, c'est que les masques sont tombés. Voilà. Parce que je sais faire. Je sais comment faire pour énerver l'ennemi en face de moi. Et puis, l'ennemi tombe dans le piège. J'ai dit que le piège en question, c'est pas moi que ça va prendre. C'est pas moi que ça va prendre. Ce piège-là, ça se renferme maintenant sur eux. Vous allez voir que si ils étaient vraiment en groupe, si c'était un groupe qui était formé contre moi, vous allez voir que chacun va prendre maintenant sa route. Chacun va prendre maintenant sa route. Chacun va se désister. Chacun va fuir maintenant. Chacun va aller loin. Chacun va dire que j'ai fait mon blog, voilà mon blog. Chacun va fuir. Voilà, chacun va fuir. Sinon, quand je fais ce live en question, je fais mon live pour être dessus du comportement de Laurentia parce que on dit qu'il y a plein entre deux personnes que tu connais. Il y a une avec des chaussures
tu t'es pas levé pour venir faire poste. Mais quand un faux profil te menace sur des choses absurdes, des choses où on dit qu'on te lutte, pourtant il n'y a pas de lutte, des choses où on dit que moi je te jalouse, pourtant c'est que c'est faux, et tu veux faire un poste, je suis carrément déçu. Mais il n'y aura jamais de clash entre toi et moi. Et comme je te l'ai dit, je t'apprécie beaucoup. Donc reste vraiment loin de tout ce qui se passe. Surtout même pour s'arriver là actuellement. Reste très loin. Reste vraiment loin. Très, 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 très loin. Voilà. Donc, les amis, on est resté longtemps en live. On ne savait pas. On était dans un live et puis subitement, le courrier est arrivé. Voilà. C'est Dieu qui fait tout. Donc, je vais couper. Je vais m'apprêter, me laver puis aller à la poste pour aller voir l'identité de cette personne qui s'appelle GP, en fait. Parce que GP...